Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la suppression du système EGR des véhicules. Dans cet épisode, nous allons explorer ce que est le système EGR, pourquoi certaines personnes choisissent de le supprimer et quels sont les avantages potentiels de cette modification. Partie 1. Comprendre le système EGR. Avant de plonger dans la suppression du système EGR, il est important de comprendre ce qui est et comment il fonctionne. L'EGR signifie recirculation des gaz d'échappement. Exhaust Gas Recirculation. Son rôle principal est de réduire les émissions nocives en réintroduisant une partie des gaz d'échappement dans le système de combustion. Cela permet de réduire la température de combustion et la formation d'oxyde d'azote NOx. Partie 2. Pourquoi supprimer le système EGR? Alors, pourquoi certaines personnes décident-elles de supprimer le système EGR de leur véhicule? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la suppression du système EGR peut aider à réduire l'encrassement du moteur. Les gaz d'échappement contiennent des résidus et des particules qui peuvent s'accumuler dans le système d'admission et entraîner des problèmes de performance à long terme. Deuxièmement, certains conducteurs ont remarqué une augmentation de la consommation de carburant lorsqu'ils utilisent le système EGR. La suppression de ce système peut donc potentiellement améliorer l'efficacité énergétique du véhicule et réduire des coûts de carburant. Et enfin, certaines personnes choisissent de supprimer le système EGR pour améliorer les performances globales de leur véhicule. En évitant la recirculation des gaz d'échappement, le moteur peut fonctionner plus efficacement, offrant ainsi une meilleure réponse et l'accélérateur et une augmentation de la puissance. Partie 3. Les avantages potentiels de la suppression du système EGR. Alors, quels sont les avantages potentiels de la suppression du système EGR? Tout d'abord, comme mentionné précédemment, cela peut aider à prévenir l'encrassement du moteur, ce qui peut prolonger la durée de vie du véhicule et réduire les coûts d'entretien à long terme. Deuxièmement, la suppression du système EGR peut potentiellement améliorer les performances du moteur, avec une meilleure réponse de l'accélérateur et une augmentation de la puissance. Les conducteurs peuvent profiter d'une expérience de conduite plus dynamique et agréable. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne car cela nous encourage vraiment.